Monsieur le chef de cabinet du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet et du secrétaire général du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Monsieur le directeur général du Palais de la Culture, Amadou Ampateba, Mesdames et Messieurs les directeurs des services centraux rattachés des organismes personnalisés du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Monsieur le maire de la commune 5 du district de Bamako, Monsieur le ministre Abdramane Sila, parrain de cette 7e édition, non moins président de la convention, citoyenne pour le renouveau et l'émergence du Mali. Monsieur le secrétaire général de l'association Diablo, Monsieur le président de cette association, Mesdames et Messieurs les membres des délégations venues de l'étranger, notamment de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de la Guinée, du Sénégal et de tous les pays ici représentés, Mesdames et Messieurs les conférenciers, Kramoko Yoro Sidibe, Disaran Yoro Simbo, Idansoko, Donsubanade Simbo, Audansoko, Auniko. Chers Donzo, chers artistes, chers festivaliers, Mesdames et Messieurs de la presse, en vos titres et qualités, tout rang considéré. Je commence mon propos avec une pensée pieuse pour tous nos hommes tombés sur le champ de l'honneur, dans la défense de la patrie, militaires comme Donzo, en sauvant l'honneur, la dignité et l'intégrité de notre pays. En leur mémoire, je voudrais vous demander une minute de méditation et de prière, sans vous lever s'il vous plaît, parce que cela a été fait, juste de la méditation et des prières dans la piété du silence. Merci beaucoup. L'honneur me choisit ce soir de prendre la parole devant cette auguste assemblée des maîtres Donzo, les Simbo, les virtuoses du Donzongoni, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 7e édition du festival qui porte son nom, un des plus grands rendez-vous de la culture malienne, inscrit désormais par la magie du temps en lettres d'or dans l'agenda culturel de notre pays. Je voudrais d'entendre souhaiter la chaleureuse bienvenue à tous les Donzo, à tous ceux qui ont bien voulu honorer de leur présence la présente cérémonie. Je tiens tout d'abord à vous transmettre les salutations de Son Excellence le colonel Assimi Goïta,
président de la transition, chef de l'État, et du docteur Choguel Koukala Maïga, premier ministre chef du gouvernement. Ils vous disent merci pour votre grande contribution aux efforts de défense de la patrie, aux efforts de développement de notre pays, aux efforts de préservation de notre patrimoine culturel, de notre dignité, de notre honneur. Ils vous remercient et vous saluent vivement. Ils m'ont chargé de vous transmettre également leurs salutations à la communauté des chasseurs. Oui, toujours engagée pour la recherche de la sécurité, de la paix et du développement, pour l'honneur et la dignité du peuple malien. Mesdames et messieurs, après les succès mémorables des précédentes éditions et salués par tous, nous voici donc réunis pour la 7e fois consécutive pour célébrer la riche diversité de notre patrimoine culturel à travers l'une de ses composantes les plus importantes. Il s'agit des valeurs et du patrimoine de la chasse. Célébrer cette culture, c'est affirmer vigoureusement notre identité. C'est aussi l'ouvrir à tous à travers diverses formes d'expression et favoriser ainsi les dialogues des cultures pour les vivre ensemble. L'événement qui nous réunit ce soir s'inscrit en droite ligne de la vision du président de la transition, chef de l'État, son Excellence Assimi Goïta, celle de la refondation en vue de répondre aux aspirations les plus profondes de notre peuple, la paix, l'unité nationale, sa vision de faire du Mali une nation réconciliée, résolument tournée vers son destin. L'homme doit être mis au cœur du vaste chantier de la refondation, celle qui doit elle-même prendre pour socle notre culture, notre héritage commun que nous devons préserver à tout prix et valoriser. Le président de la transition a instruit le gouvernement de faire de nos valeurs endogènes, ancestrales et culturelles le ciment de la refondation de notre pays. Je voudrais ici rappeler que les préoccupations et les vœux exprimés par le docteur Abdramane Sylla et à sa suite par le secrétaire général de l'association Tigiablo, mais également par le doyen représentant le chef des chasseurs de Bamako sur la prise en compte de nos valeurs sociétales ancestrales. Je voudrais donc rappeler que cette préoccupation est largement partagée par le gouvernement de la République du Mali qui, en ce moment, œuvre à la revalorisation de ces éléments de notre patrimoine ancestral. À cet effet, le ministère dont nous avons la charge a mis sur pied un vaste chantier, celui de l'élaboration d'une charte d'éthique et des valeurs du Mali. Charte dans laquelle toutes les valeurs sociétales ancestrales, les valeurs supérieures, seront répertoriées, développées, commentées, afin d'être mises à la disposition des autorités chargées de l'éducation, afin que la jeunesse malienne, celle d'aujourd'hui et celle à venir, puisse grandir pétri et bien serti de ces valeurs-là. C'est une préoccupation constante et donc le chantier est ouvert. Et je voudrais ici rappeler que la communauté des chasseurs n'a pas été oubliée, d'autant qu'elle est représentée dans le comité scientifique chargé de l'élaboration de cette charte. La culture est une arme séculaire de prévention
prévention et de résolution des conflits dans notre pays. Elle est aussi source d'initiatives pour réconcilier les cœurs et les esprits, pour consolider la cohésion sociale. Je demeure convaincu que la paix dont dépendent le présent et l'avenir des peuples réside dans le dialogue des cultures. Le brassage culturel demeure une nécessité vitale, mais la culture c'est aussi un puissant levier de développement économique harmonieux et durable. Amadou Ampateba, le sage de Bandiagara, ne disait-il pas, je cite, « Celui qui réunit son patrimoine culturel, spirituel, se déshérite. En même temps, il trouve une faille, il ouvre une faille, il arrache une page dans les livres de l'humanité. » Fin de citation. Et un autre penseur disait, je cite, une société sans sa culture est comme un arbre sans racines. Fin de citation. Ce festival, mesdames et messieurs, démontre à quel point la communauté des chasseurs est attachée à ces valeurs qui ont jadis caractérisé notre société. Je voudrais très sincèrement me réjouir de la tenue régulière de cette manifestation qui forge l'admiration et qui a su trouver une place de choix dans l'agenda culturel national comme un des plus grands rendez-vous culturels de notre pays, comme je le disais tantôt. L'occasion est agréable également pour saluer très respectueusement et féliciter l'association Digia Blum pour avoir eu cette merveilleuse initiative qu'elle a su inscrire dans la durée. Toutes mes félicitations, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Président. Mes vifs encouragements aux organisateurs du festival d'Ozongoni que j'exhorte à poursuivre leur grande contribution à la valorisation du patrimoine culturel immatériel à travers le d'Ozongoni, qui est un puissant et authentique plaisir également d'adresser mes félicitations appuyées au secrétaire général de l'association Digia Blum et aux membres de son association qui ne ménagent aucun effort pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel lié à la confrérie des Donzo. Monsieur le parrain, monsieur le maire, mesdames et messieurs distingués invités, je prends donc la parole pour dire merci à la confrérie des Donzo pour les services inestimables rendu à la nation malienne, et cela depuis l'assemblée de Kourou-Kanfouga en 1236. Le festival d'Onzo Godi, objet de la présente cérémonie, met en valeur la musique d'Onzongoni. C'est une musique ancrée dans la profondeur du passé, mais également dans les entrailles de notre culture. Plus qu'un festival, cet événement culturel met non seulement en lumière les valeurs du passé, mais il contribue à la promotion de l'instrument mythique d'Onzongoni à travers panégyriques, contes et chants d'Onzo. Les chants du d'Onzongoni transmettent à travers les grands récits de chasse, au texte de la grande épopée mandingue, des valeurs de courage, de patriotisme, de témérité, de tolérance, de respect, d'humilité et de paix. Parler des Donzo, c'est faire ressurgir les hauts faits, les souvenirs d'une grande confrérie ancrée dans nos valeurs ancestrales. Dans nos sociétés, le Donzo est une valeur morale d'exemple, de courage, de patriotisme, de témérité, de probité, d'intégrité, de sagesse, mais aussi le détenteur de savoir, des sciences ésotériques. Il est la référence dans la société. Toutes choses qui font qu'il occupe une place centrale dans la société.
Les Dunzo, comme le rappelait le docteur Abdramane Sylla, sont à l'origine de la création de la plupart de nos villages, devenus plutôt des villes, des grandes villes. Ils sont des régulateurs, des protecteurs de la société et de l'environnement. Dunzo, au Dansogo, au Nuko, Tuguni. Monsieur le parrain, monsieur le maire, distingués invités, le thème de cette édition, Tonzongoni, facteur de résolution des conflits et de la refondation, est d'actualité et même d'une actualité brûlante dans un pays comme le nôtre qui est en crise, crise multidimensionnelle marquée par des conflits inter- et intra-communautaires. Le Mali, pays des hommes d'honneur, a toujours été une terre de rencontres, de brassage et d'interpénétration, où diverses communautés ethno-linguistiques ont vécu en parfaite symbiose, partageant un héritage commun d'une communauté de destin. Autant nos ancêtres avaient mis en place des alliances à plaisanterie, comme les Sinambuya, les Nimuaya, les Balimaya, mais également des mécanismes permettant le maintien du lien social à travers diverses gestes de la société. Ils avaient inventé également des instruments, des rites permettant de fédérer les peuples et de les maintenir dans la symbiose, la paix, pour y vivre ensemble cohérent et homogène. C'est le cas du Dunzongoni. Le présent festival nous donne une fois de plus la preuve que la culture malienne renferme tous les ingrédients et les ressources sur lesquelles notre pays devrait s'appuyer pour rebâtir le havre de paix qu'a toujours été notre beau pays, et cela pour aussi la refondation. Comme aime à le rappeler le chef de l'État, très souvent, il ne peut y avoir de développement harmonieux et durable sans la prise en compte des valeurs culturelles fondatrices de notre société. Le Mali ne renaîtra de ses cendres que lorsque les Maliens retourneront aux sources pour se réapproprier les valeurs qui ont caractérisé nos ancêtres qui ont fait la gloire de ce pays. Il serait une lapalissade de dire que le rôle et la place du Dunzo dans la stabilisation du Mali est une sinecure. La cohésion est loin d'être une sinecure. La cohésion sociale et le vivre ensemble du Mali étant des préoccupations constantes chez les hommes de cette communauté. Je voudrais ici saluer très respectueusement tous les Dunzo, sans exclusive, pour la noblesse qu'ils incarnent et continuent de prôner dans une société en pleine mutation, contre toute vague et marée, contre les vagues et marées de la globalisation, et ainsi assurer, je voudrais également les assurer du soutien et de l'accompagnement des plus hautes autorités de la transition. Monsieur le secrétaire général de l'association Diablo, Dunzo Banade Simbo Audansugo Auniko. Chers artistes, donc, distingués invités, l'occasion m'est agréable pour rendre un vibrant hommage à M. Yoro Sidibé, dit Saran Yoro, chanteur et compositeur, auteur de nombreuses chansons prêchant des valeurs comme le travail, la bravoure, l'honnêteté, la dignité, l'amour de la patrie, Simbo, Idanzo, Iniko. Permettez-moi donc de rendre hommage à tous les autres artistes, chanteurs du Dunzongoni, ici présents ou représentés, qui nous bercent des mélodies et des chansons qui continuent de nous servir de référence et d'exprimer nos joies et nos espérances. Je voudrais féliciter les organisateurs de cette 7e édition du Festival Dunzongoni pour leur professionnalisme et leur constance dans l'effort.
Comme le disait un penseur, la gratitude est l'expression la plus élevée de la conscience humaine. Je voudrais donc remercier encore une fois Monsieur le secrétaire général de l'association Diablo, le président de cette association, pour leur vision et leur foi opiniâtre en la capacité de la culture à nous faire rêver, en sa capacité à exhumer la part du divin qu'il y a dans l'humain, de célébrer notre humanité partagée dans un Mali refondé, émergent et prospère. J'associe à cette gratitude Monsieur le ministre Abdramane Sylla, parrain de cette 7e édition, l'Infatigable, à tous les partenaires techniques et financiers, les sponsors, les autorités politiques et administratives, le maire de la commune 5 du district de Bamako et toutes les bonnes volontés qui, de près ou de loin, ont accompagné pour la réussite de cette 7e édition que je déclare ouverte. Je souhaite un excellent festival à toutes et à tous. Je vous remercie de votre aimable attention. À être à la fois ministre Kou. Donso Denaba. Albi, mais à Katounine, au fait, à Okaya Maria Kono. Nya foye ne ka bon nan ngel ente obe ya fama ola parce que mena kuma me fo bon nan ngana certainement abete nanye fo tukula na ma fe ka jemana nyimu ko foli la sauma jemana nyimu ba noye président de la transition colonel Assimi Goïta. Ani gouvernement Nyimogo, Dr Shogel Koukala Maïga, ani gouvernement Mokopé, Béka Fouli Benda, à la Sauma. Ouko, Koukaufo, Aka Ouachila, Djamanaï, Koukaufo, Aka Wilika Djola, Djamanaï, Koukaufo, Aka Djamana. Kumabolila. Koka ufo, awe paramina, noye anga ladaye, noye anga tradisyonye, aminenembe obolo flala, chukomina, kurka akana tunu, obo washimina, dame kono, a kuko ufulina sa uma, kose me kongina na kuka afawi. Waka afawi ufuna ka afo, gonzo ya, ablalé de kofé kunu ablalé de kofé bi gouvernement tessilé ngo akola tunzoya koka bon gouvernement ma kosebe ka sababu ke améliorer mina sisa gouvernement yé instruction sro c'est-à-dire président yéré anyini gouvernement mo kofé ou djita ou en cocro en dame cro ani jamana era kun jole me sem cro mu sem mu kan crole ko an djita ka ulu pla pala pour que malika dame ka sigama maliya dame ka sigi maliendo mo donc au hukum ko na ministre Somi ye sinembe se koni donkoma aye parado damne o baraye abe talike jamana dambe ani jamana ka koroya solo apme jamana dongulu tumina aywa kata nyininike ka olu dame nun don ka olu valeur nun don ka be sebe ka fe kilen kono o ka fe na sebe na kurka akatunu akanatunu parce que ame nye wala ka fo o dame nun chama me nyini ka tunu surtout dem sen kunda kurka akanatunu bada bada kudai kudai aywa koka o dame nun pe nyini
nous avons fait nous avons fait fait Je suis allé à la maison. Mais pourquoi on a fait ça? On a fait ça. 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 On a fait